baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Woohoo! Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de sexe. On parle de comment avoir une vie aussi de couple épanouie, parce qu'on ne parle pas juste de sexe. On va s'adresser aujourd'hui autant aux célibataires qu'aux gens qui sont en couple en ce moment. Alors, pour parler de ces nombreux sujets, j'ai le privilège de recevoir une coach relationnelle, une auteure qui a écrit un livre, qui a co-écrit avec David Bernard, L'amour sex-ship, et c'est Mme Chantal Lamontagne. Chantal, merci d'être là. Merci de l'invitation. Sujet tellement passionnant, on a plein de choses à discuter aujourd'hui. Tout le monde veut savoir, oui. Tout le monde veut, c'est vrai, t'as raison, hein? Tout le monde veut connaître la recette pour avoir une vie de couple épanouie. Exact. La vie de couple, c'est un gros morceau dans notre vie. C'est énorme. C'est quelque énorme, chose qu'on ne veut pas manquer. Voilà. C'est énorme. Parce que la famille tient après. Hein? Exactement. Voilà. Et alors qu'on ait des enfants ou non, mais je veux dire, c'est un gros morceau dans notre vie. Ouais. Chantal, tu rencontres au quotidien des gens, ouais, que ce soit des célibataires qui sont en deux relations et qui ne veulent pas nécessairement reproduire des anciens patterns dans des nouvelles relations. Absolument. Donc, peut-être que vous êtes là en ce moment. Tu reçois aussi des couples. Oui. Tu reçois des gens seuls qui sont en couple, mais le partenaire ne veut pas nécessairement venir. Tout à fait. Mais les gens, souvent, c'est ça, te consultent parce qu'ils disent « je veux que ça marche ouais. », soit que la vie de couple bat de l'aile, il n'y a plus de relations sexuelles. Ouais. Qu'est-ce qu'on pose le plus souvent comme question? Premièrement, les couples. Commençons avec les couples. Exact. C'est le sexe. Les gens vont venir en général pour dire « ça fait 8 mois qu'on n'a pas fait l'amour. » Okay. « C'est-tu normal? » Non. Okay. « J'arrive pas à rendre ma femme heureuse. Okay. »« Mon mari travaille trop. »« On a toutes sortes de difficultés. On n'est jamais capable de se comprendre. Qu'est-ce qui arrive? » Alors, les gens souffrent profondément d'un besoin. Le féminin va toujours chercher le masculin. Puis s'il n'est pas là, le masculin, c'est jamais nourri. Il n'y a pas une job qui va nourrir cette partie-là de la femme. Il n'y a pas d'accomplissement, il n'y a pas un chèque de paye, il n'y a rien. Cette connexion-là, elle est très importante. Il faut que ça danse. Il faut que ça danse parce que les gens ont connu le début, ça dansait. Je dis aux gens, ben, si vous travaillez et vous investissez dans votre relation, comme vous étiez au début, vous n'avez pas besoin de moi. Ouais. Et c'est une des rares places où est-ce qu'on en parle tantôt dans le teaser. C'est un rare endroit où on arrête de travailler. Les femmes vont me dire, je me suis perdue dans ma relation. Okay. Parce que les femmes, si on y pense, nos organes sexuels sont à l'intérieur. Donc, pour qu'une femme sache qu'est-ce qui ne va pas, il faut qu'elle aille à l'intérieur. Il faut qu'elle dise, qu'est-ce qui se passe en moi pour que je sens que c'est off. Avant même qu'il commence à mon bureau, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Okay. Je me lève, je suis toujours de mauvaise humeur, je n'ai plus de patience, je ne le vois plus comme je le vois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Alors, c'est une foule de choses. Hein? C'est de retravailler avec les hormones. On parle de beaucoup de l'oxytocine dans le livre, qui est l'hormone de l'attachement. On ne connaît pas tellement notre relation avec ces hormones-là qui sont tellement importantes. Et les hommes me disent, en général, on ne fait plus l'amour. OK. Voilà. Et les gens, évidemment, est-ce que c'est l'homme qui souffre plus de ça, la femme, ou les deux, mais à leur façon? Quelle belle question. C'est les deux, mais chacun à leur façon. C'est-à-dire que l'homme a une relation beaucoup plus intime avec le besoin du sexe. Il sait comment c'est important, au niveau conscient et inconscient. Donc, c'est lui qui va souvent le souffrir le plus, parce que souvent, elle, surtout si le sexe n'a pas été tellement bon, elle peut s'en passer. C'est ordinaire. Tu vas dans une pizzeria. La pizza est ordinaire, va-t-il y retourner? Ouais. Des grosses chances que non. Alors, c'est la femme, je sais que ces femmes-là n'ont pas connu l'espèce de fusion et d'union où tu fais l'amour, puis tu sais pas si c'est quelle cuisse ou quelle joue, que t'es toute dans ce moment-là de rapture, de tout ce moment-là où est-ce que t'es. Alors, ces femmes-là ne connaissent pas ça, et je veux qu'elles connaissent ça. Parce que quand elles connaissent ça, fait chaud. Il fait chaud. Chantal, évidemment, on se repositionne dans ton bureau, oui, un couple qui arrive. Tu sais, selon toi, selon Chantal Lamontagne, toi, oui, tu as conçu le modèle sex-ship. Oui. C'est quoi les ingrédients pour qu'un couple dure? Je parle pas juste du sexe, là. Vraiment, les ingrédients tout en général. Que ce les soit gens le qui fun nous écoutent. D'être ensemble. Faut que ce soit le fun d'être ensemble.
Oui. Le premier point, c'est que on est 100% responsable. Donc, si on est malheureux, il faut se regarder soi. OK. Où est-ce que j'ai perdu mon but? Où est-ce que j'ai, pour les femmes, où est-ce que j'ai dit oui quand je voulais dire non? OK. OK. Les hommes, qui sont des êtres extraordinaires. T'es une nouvelle mariée. Hein? Oui, faut justement mentionner ça. Félicitations. Les femmes ne savent pas que les hommes veulent tellement nous chérir et prendre soin de nous, si on sait comment les approcher. Mm-hmm. Et malheureusement, on vit dans une culture où on manque de respect. On a même des publicités qui rient des hommes aujourd'hui. Mm. Il y a une publicité d'une crème dont je ne peux pas mentionner, qui rit carrément des hommes. Il montre la femme qui multitask, qui fait tout, et l'homme qui rentre comme s'il n'avait rien fait. Un homme qui va au travail, mesdames, là, il s'en va en bataille. Il va batailler le boss, les dossiers, le trafic pour rentrer chez eux. Et malheureusement, l'homme qui rentre chez eux, souvent, il commence une autre bataille. Mm-hmm. Quand il a besoin de rentrer et que c'est son royaume, c'est littéralement, c'est là où est-ce qu'il peut refaire sa testostérone, refaire sa dopamine, refaire ses hormones de force pour qu'il soit content. Donc, une des consignes qu'on donne, c'est une des premières places où on va quand ça va plus bien dans le couple, c'est le truc du 10 secondes. Donc, qui que soit qui rentre à la maison, mm-hmm. on laisse tout, on va chercher la personne. C'est l'homme qui rentre, on l'embrasse comme si c'est un rock star, comme si Bono rentrait, un vrai bec, là. Pas, veux-tu nous refaire ça, s'il te plaît? Oui! Pas un petit bec! Ça, là, non. Okay. Un vrai bec. T'as l'impression que tu le laisses. OK. Puis là, il s'en va faire ce qu'il fait. Et quand il va être rechargé de dopamine, rechargé de testostérone, là, il va venir vous rechercher dans la maison. Mais ça, c'est-tu bon l'inverse aussi, mettons? L'homme est déjà là, puis la femme arrive, même chose. Si, c'est-à-dire que si la femme rentre, veux-tu nous refaire le bec? On va recommencer. On va chercher madame, on va prendre ses sacs, on va prendre ses valises. Okay. Là, on va commencer tout de suite à dire comment ça allait, puis on faut l'écouter. Ah, et là, j'ai trouvé dans le trafic, tu sais, il y avait des lumières, tu sais comment est-ce que c'est. Puis là, il y avait la construction. Puis là, il faut écouter ça pour qu'elle se vide. Okay. Une fois qu'elle est vidée, on va faire, on fait ça à souper. OK. Mais c'est intéressant, Chantal, ce que tu dis, parce que tu as tellement raison. C'est des choses simples. Mais quand on commence une relation, ouais. notre conjoint ou notre conjointe arrive et là, écoute, c'est tambour et trompette. Ben, oui, il y a quasiment les pétales de rose étalés. Voilà. Puis après 3 ans, c'est comme, il rentre là à la maison. Ah, t'es là, ouais, salut! T'as raison. Ouais. Puis moi, c'est quelque chose que j'essaie, ouais. en tout cas, mon conjoint te le dirait, j'essaie le plus souvent possible d'aller l'accueillir. Elle fait pas 100% du temps, mais, tu sais, parce que... Puis mon fils aussi, c'est la même chose. Exact. Puis même Julie, quand elle rentre le matin, la plupart du temps, je me dis, c'est important, t'as quelqu'un qui arrive chez toi, puis c'est de considérer l'autre. Alors, ce que tu nous dis, c'est dans le couple aussi. D'être accueilli. OK. Imagine rentrer dans un hôtel 5 étoiles, puis qu'il y a personne qui t'ouvre la porte. Non, c'est impossible. Ça. C'est impossible. Voilà. Et la considération pour l'autre. C'est une marque d'amour de soi d'aller chercher l'autre dans son soi, parce qu'on se souvient que l'homme, il revient d'une bataille. Il faut aller l'accueillir. Ouais. Faut se connecter. C'est là qu'il va se rappeler. Oh, c'est pour ça que j'ai été travailler. Ouais. C'est pour être à ses bras. Oh, oui, puis j'ai envie de rentrer chez nous. J'ai envie de rentrer chez nous. Et non pas... Si c'est qui n'est pas le cas de tout le monde. Qui n'est pas le cas, hein, c'est ce que tu vois. Donc ça, c'est un premier outil. Tout à fait. Donne-nous d'autres outils là, pour avoir une vie de couple. L'autre outil, c'est vraiment d'avoir une conversation sur le sexe. C'est-à-dire qu'il faut commencer à en parler pour le faire. OK. Ça manque. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été connectés. Viens, on va en parler. Viens, on va prendre un temps où est-ce qu'on va mettre le sexe en priorité. Je dirais jamais assez souvent, c'est important. Et tout doit être négocié. Ceux qui sont entre deux relations, là, écoutez bien, c'est un des secrets. Une relation, c'est négocié. Tout doit être négocié au début, avant le sexe. Parce qu'on sait qu'une femme qui se donne à un homme, sexuellement, elle a perdu. Elle est rendue trop vulnérable pour être capable de négocier avec la tête froide. Mais qu'est-ce que tu veux dire par négocier? Parce que je ne suis pas sûre que tout faut le monde te suit. Il faut que toutes les parties de notre vie disent « OK, moi, je voudrais avoir des enfants. Ah oui, combien? Ah, OK, 2. L'autre dit 17. Ouh, on va s'asseoir, on va en parler. OK. On parle de quoi? Est-ce que qui reste à la maison pour les enfants? Bon, OK. Ensuite, financièrement, qui fait quoi? Qu'est-ce qu'on charge? Normalement, est-ce que c'est prorata? Est-ce que toi, tu fais 100 000? Toi, tu fais 30 000? Donc, la personne fait 30 000, paye un tiers de ça. Là, tu parles de soit d'un début de relation ou... Au début des relations, l'argent, les enfants, les religions, où on va vivre à la retraite, il faut que tout soit mentionné. OK. Pour qu'on voit, il y a un couple qui n'était pas mes clients, c'est une de mes collègues qui m'a conté ça, et ils étaient en amour, ils sont fiancés, ils vont bien, et il apprend qu'elle avait des enfants, bon, merveilleux, mais elle ne restera pas parce qu'elle a une belle carrière. Il dit non,
moi, je veux la femme de la mère de mes enfants qui reste à la maison. Et ils ont cassé leur engagement. C'est ça. Parce que c'est un conflit de valeurs. Exact. Comment le sexe est important? Combien d'hommes sont venus me voir? Ils m'ont dit... Quand j'ai rencontré, elle m'a dit, « Bien, moi, je ne fais pas cette affaire-là sexuellement. Puis moi, je ne fais pas cette affaire-là sexuellement. Puis moi, je ne fais pas ça. » Et les hommes se sont dit, « Elle va changer d'idée. » Non, elle ne changera pas d'idée. OK. Donc, okay? Si elle n'aime pas le sexe oral, il y a des grosses chances que ça n'arrive pas à ta vie. Okay. Si c'est important d'avoir une vie riche, ça ne sera jamais réglé. Fait que toi, là, la communication est vraiment au cœur, puis tu sais, on le sait, là, au cœur d'une relation de couple épanouie. Et je rajouterais... Et tu amènes ça à un autre niveau, là, vraiment, c'est de un tout autre dire. Niveau. C'est la communication de voici qui je suis, mm-hmm. et voici les besoins dont je me suis rendu compte avec ma vie qui sont tellement importants, et voici ce que je pourrais jamais faire de compromis, voici où je peux être souple. C'est tout à fait C'est vraiment intéressant. C'est indispensable d'avoir la même vue. Pour être en amour et rester en amour et que ça perdure, il faut s'aimer, il faut s'être choisi l'un l'autre et vous s'en aller dans la même direction. Il faut que les trois. Beaucoup de gens s'aiment, ils se sont choisis, mais ils s'en vont. Oh, moi, je vais finir ma maîtrise, moi, je vais aller là. Hey, la route est longue. C'est possible que ça revienne, mais c'est difficile. Donc, on part avec un moins. On part avec « Attends une minute, comment est-ce qu'on va faire? Comment on va négocier? » Parce que le romantisme de ça est très beau, mais la réalité de « il n'est plus là pendant 3 ans. Ah, qu'est-ce que tu fais? Oh, attends une minute. Ouais. Donc, c'est encore une fois de prendre extrême soin de soi, homme comme femme. Qu'est-ce qui est vraiment important? Et avant qu'on soit follement amoureux, parce qu'après ça, les hormones ont pris. Les hormones nous ont kidnappés. Ça peut durer entre 0 et 3 ans. Alors, si ça, c'est parti, puis qu'on négocie pas une relation, on va avoir la négocier dans 5 ans, dans 10 ans, avec des coûts énormes, comme briser des familles. Tout à fait. C'est intéressant parce que je te connaissais pas à l'époque où j'ai connu mon mari, parce que tu as annoncé en primeur, hein, personne ne le savait. Oh mon Dieu! Ta réaction est très, très drôle, c'est super bon. Oh mon Dieu! Mais oui, effectivement. Quel honneur j'avais pas le... Je suis... Mais non, c'est super! T'es contente! Oui, je me suis mariée avec l'homme avec lequel j'étais depuis les 15 dernières années. Donc, c'est pas un nouveau partenaire dans ma vie. Mais c'est drôle parce que quand j'ai connu Louis-Jean, il y a 15 ans, je pense que c'est au premier souper ou au deuxième, là, il pourrait le confirmer, que je lui avais dit, écoute, avant de tomber en amour avec moi, je te le dis tout de suite, je suis vraiment pas sûre de vouloir des enfants. Oh, wow! Oui, j'avais vraiment Quel dit ça. Quel courage! Parce que, non, mais à cette époque-là, moi, j'étais là. Puis tu vois, aujourd'hui, on est les parents d'un petit garçon de 7 ans et demi, puis c'est merveilleux. Mais à cette époque-là, et il y avait eu aussi l'ouverture de dire, écoute, Stéphanie, c'est super que tu me le dises. Oui. Moi, je n'étais pas certain non plus d'en vouloir. Je pense que j'en voudrais, mais en même temps, pour moi, la chose la plus importante, c'était de trouver la bonne personne. Donc, fait que tu confirmes que c'est important de discuter de ces choses-là. On a fait la même chose avant d'avoir notre enfant. Oui. De dire, tu sais, qu'est-ce qu'on veut comme valeur? Qu'est-ce qu'on veut? Comment on va l'éduquer? Tout à fait. Et c'est ce qui fait que ça va bien. Exact. Ça enlève une tonne d'irritants. Tout à fait. Oh, tout d'un coup, on se rend compte, bien, comment ça tu veux pas qu'il y aille à l'Église catholique? Comment ça tu veux l'envoyer au privé? Il fallait que tout ça soit négocié avant. Tout donc, il n'y a aucun irritant. Il y a assez d'irritants dans le quotidien de la vie. Sans que ces gros moments-là soient non négociés. Ceci dit, je trouve ça intéressant. On peut faire ça au début. Bon, tu as sûrement vu ça dans ton bureau. Par contre, des couples qui sont ensemble depuis 10, 15, 20 ans, puis qu'à un moment donné, il y en a un qui prend une tangente. Tu sais, ça se peut, on évolue, on change. Des fois, ce qu'on voulait il y a 15 ans, ça se peut qu'on veut, on veuille d'autres choses. Comment on compose avec ça à ce moment-là? Tu sais, je pense à quelqu'un dans mon entourage. Là, c'est une personne qui avait une vie très, très sédentaire avant. Puis du jour au lendemain, là, elle s'est mise à sortir, faire plein d'activités. Elle a vraiment changé de vie. Oui. Heureusement, son partenaire de vie a accepté ça. Oui. Mais je sais que dans d'autres couples, ça aurait pu être le début de la fin. Et t'as donné une partie de la recette. Le danger, c'est quand un reçoit ce que moi j'appelle ton inspiration divine de « va sur ce chemin-là maintenant », que ce soit de changer de carrière, que ce soit de partir de très sédentaire à très actif. Et ça, c'est un appel de l'âme. Et on ne peut pas taire. L'âme va toujours gagner. J'espère que c'est correct si on parle d'âme. Oui, tout à fait. Si l'autre suit, merveilleux, on peut construire. Et c'est pas grave, parce qu'on peut pas... C'est pas grave s'il est ici, puis toi, t'es là. Vous allez finir par vous trouver. Le danger est quand elle est partie, puis il dit « non, moi, je reste ici. Moi, lui ou elle, non, moi, je reste ici. » Et c'est là que c'est pas mal un deal breaker. C'est ça, c'est le début de la fin. C'est pas mal un deal breaker.
Il faut croire que ça arrive, parce que tu le disais tantôt, 50 % des couples en première union finissent par se séparer, 60 % quand c'est le deuxième mariage, puis 75 % le troisième mariage. Fait que si vous êtes rendu à votre troisième mariage, moi, j'y repenserais. Oui. Non, on parle de statistiques basées sur des gens que je soupçonne n'ont pas été chercher l'aide que nous, toi et moi, on a. Tout à fait. Et parce que c'est un game changer. Venir travailler avec des gens comme nous, attention, c'est un game changer, c'est qu'on change ça de bord. Ouais. Et je prends des bêtes avec les femmes, je dis, elle me dit, t'es sûre que mon mari va devenir le chevalier servant? Tu me gâches combien? Parce que moi, je sais ce qu'on peut faire. Moi, je l'ai vu tellement de fois que je me suis... Mais moi, je faisais... Wow! Et comment je le sais? Les gens sont tellement généreux. Ils me renvoient un courriel, un an, deux ans, carte de Noël. Voici la lettre d'amour que j'ai écrite à ma femme. Merci de ton aide. Wow. L'année après. Wow. Voici la carte que j'ai envoyée à Saint-Valentin. Merci de ton aide. C'est comme ça que j'ai du feedback. Ben oui. Parce que là, j'ai plus le temps de rappeler, de faire des suivis. Je suis trop occupée en coaching privé. Et c'est comme ça que je sais, oh mon Dieu, non seulement que l'amour peut être réparé, mais elle est mieux qu'elle était au moment où c'était bon. Et ça, c'est un beau message d'espoir, parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent en ce moment puis qui ont peut-être même abandonné l'idée que ça peut marcher. Il y en a qui nous écoutent en ce moment qui disent « Moi, j'attends que les enfants soient plus vieux pour me séparer. » Il y en a plein qui sont dans cette situation. Ça marche pas. Rester pour les enfants, ça marche pas. Ah, bien, je suis intéressée de t'entendre là-dessus. Tu es... Les enfants sont très subtils, petits, grands, moyens. Ils sentent tout de suite le vacuum d'énergie. Ils sentent tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les tout petits enfants vont faire, ils vont aller chercher papa et maman, ils vont dire « Bec ». Bec, ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le prix, je dis aux gens qui me disent, ils arrivent, ils me disent, non, je pense que c'est pas mal fini, nous autres. Ah, peut-être, OK. Alors, on fait une période de guérison où est-ce qu'un va guérir l'autre parce qu'on ne laisse jamais une relation tant que c'est dans le chaos parce qu'on va le reproduire. Un. Deux, et probablement la raison la plus importante, qui va apprendre à aimer? Vos enfants vont apprendre à aimer de qui? Mm-hmm. Si ce n'est pas réparé, ils vont faire quoi? Ils vont reproduire ce modèle-là. Mm. Je ne veux pas la prochaine génération. J'ai des clients en mars, moi. Ça va numéro un. Alors, c'est là où les gens font « Oh, ouais. Faudrait réparer. » Faut que le c'est toujours des coparents. Hein? Ouais, ça n'existe pas. On n'est plus une famille. Une cliente me disait « est allée chercher de l'âme à quelque part et ils étaient séparés, les parents. » Puis la femme a dit, la dame qui l'a aidé, a dit « Non, non, vous n'êtes plus une famille. » Quoi? On est toujours une famille. Mm. Et de respecter, de parler avec respect du père de notre enfant, comme c'est important. Mm. Ça préserve le cœur tendre de l'enfant qui pourra avoir une belle, vraie relation. Mm. Il va comprendre que, bon, mes parents, ils sont donnés à différentes routes, mais on est ensemble pour Noël, ou on est ensemble pour la fête des pères et des mères. Ouais. Ou on pour la graduation. Exactement. On sera toujours une famille. Ouais. Et ce que j'ai dit à mes femmes célibataires qui viennent, qui disent « je rencontre un gars », fabuleux ce sujet. Ok, comment va avec ça va avec l'ex-partenaire? Oh, il se parle plus. Mais c'est très intéressant, Chantal. Sois très prudent. Oh d'accord. Oui, c'est une folle. Peut-être. Peut-être, mais mon Dieu, que ça sent que pas non. Bon. Ouais. Mon Dieu, que ça sent pas bon. Voilà. Mais je suis tellement d'accord. Puis ça, j'ai toujours dit ça. Regarde les anciennes relations de la personne avec qui tu es, et ça va te dire comment, si un jour ça a à finir, comment ça risque de finir. Il y a des grosses chances. C'est ça. Moi, je me rappellerai toujours, je le nommerai pas, mais j'ai eu, quand j'étais plus jeune, un copain. Et écoute, sa grand-mère était décédée, puis je sais pas s'il va se reconnaître, mais c'est pas vraiment grave. Que Dieu le bénisse. C'est ça. Parce que c'était pas une mauvaise personne, mais sa grand-mère était décédée. Et tu sais, quand c'est le temps de partager les trucs... Il y avait une lampe, là, mais Chantal, la lampe la plus laide que tu as vue dans ta vie, là, la plus laide. Oui. Et il avait fait toute une chicane avec ses frères et sœurs pour avoir la foutue lampe super laide. Et je m'étais dit, oh my God, si ce chicane à ce point-là pour ça serait quoi un jour si, exemple, on avait des enfants et on serait séparés? Je m'étais dit, oh wow, tu sais, ça t'en dit sur la personne. Les gens nous disent qui ils sont. Tout à fait. Puis quelle dynamique qui a grandi. Ça n'a rien à voir avec la lampe, ça a à voir avec comment il n'a pas été aimé, respecté de sa famille originale. Où tu penses ça va se retrouver? Ça va se retrouver dans la relation de cœur. Tout à fait. Ça va se retrouver dès qu'on a une relation sexuelle. Ouais. Il va y avoir ces choses-là qui vont contaminer l'amour. Ouais. Voilà. Avant qu'on parle de sexe, parce que tu vas nous donner des trucs bien pour sûr. Avoir une vie, j'aimerais ça qu'on parle. Est-ce que c'est possible de réussir une rupture?
Parce que j'imagine qu'il y en a qui vont te voir. Ouais. Tu sais, tu dis oui, dans 90 % des cas, bon, ça s'arrange, mais il peut y avoir un pourcentage où c'est peut-être finalement mieux. Peut-être que les deux aussi vont se dire, ben finalement, regarde, sois heureux, sois heureuse, puis on continue chacun de notre côté. Tu le vois, ça, des fois? C'est pas juste possible, c'est indispensable. Okay. Encore là, pour les raisons qu'on nommait pour les familles. Un. Deux, on veut rien laisser de... Quand on repense à un événement, on fait... on veut pas, on veut être pleinement ouverte et disponible pour la prochaine personne dans notre vie. Okay. Et de là, il y a tellement... Le coût est de génération en génération, c'est pas réparé. Le petit 10 % que je n'arrive pas à réparer, ou que les gens ne reviennent pas, pour moi, avec les années, j'ai vu que c'était le travail de l'âme qui dit non, votre travail est fini. La famille est créée ou les business ont été créés et c'est fini. Et je dis aux gens, et les gens me disent, comment on le sait? Parce qu'en dedans de vous, là, une fois que ça va tout être guéri, il n'y aura plus rien. C'est comme on est capable de fermer le livre et on passe à d'autres choses. Comment je le sais? Parce que les gens m'envoient, elles sont assez généreux, m'envoient un courriel me dire, je sais que tu penses que tu n'as pas réussi avec nous, mais je ne veux pas que tu penses ça. J'ai rencontré un nouvel homme dans ma vie et je n'ai jamais été aussi heureuse. C'est ça, c'est ça. Et c'est comme ça que je sais. J'ai des frissons quand je reçois ça. Je suis vraiment privilégiée que les gens me donnent une petite glimpse de, hey, on a fait tout ce qu'on pouvait faire et maintenant, on est toutes les deux chacun heureux de notre côté. Ben, c'est ça. Puis il y en a plein de couples. Il y en a des parents qui refont chacun leur vie puis qui sont capables de se revoir. J'en connais on est dans mon entourage, c'est fantastique. Et pour eux et pour les enfants. Absolument. Et pour le nouveau partenaire, la nouvelle vie, la business, l'argent, tout. Les gens me disent, ce qu'on apprend de toi, on l'applique en affaires, on fait plus d'argent, on a plus de business, on a des promotions. Quand on a enlevé ce gros irritant-là, il y a de la force de vie pour autre chose. Je voulais mentionner quelque chose, puis ça va revenir sûrement sur... OK, ça reviendra. Ça va j'ai une question parce que c'était pas prévu, mais que je trouve intéressant. La personne en ce moment qui est en couple, qui nous écoute et qui dit « Oh my God, j'adore cet homme ou cette femme ou mon partenaire, mais son ex, elle nous fait du trouble ou il nous fait du trouble. » Tu dois en entendre ça dans bien ton sûr, bureau. Comment l'autre peut composer avec ça? Parce que ça doit être difficile. Moi, j'ai jamais vécu ça, merci la vie. Met des bâtons dans les roues. Ouais. Alors, c'est entre autres pour ça, et le deuxième secret de l'amour sexuel, c'est que je base mon travail sur une discipline spirituelle, sûrement que tu connais, Ho'oponopono, où j'ai eu le privilège d'apprendre ça à Hawaii, en privé, avec le docteur Houlin, avec l'héritier. Et c'est là, il m'a montré à travailler à travers la scène, dans l'arrière scène. Et une partie où j'ai le droit d'enseigner à mes clients, voici ce qu'on fait. Donc, à une femme qui me disait, bon, Marie, j'adore, mais son ex, je ne peux plus. On est responsable. Donc, on a toutes des relations entre nous qui font que, mon Dieu, qu'on clique, nous autres, puis que c'est le fun du moment qu'on s'est parlé. Ouais. Et d'autres personnes, c'est comme, non, je ne suis pas capable. Il y a une partie de responsabilité au niveau du subconscient où on peut aller travailler à travers, par exemple, la technique Ho'oponopono, qui va nettoyer le pour qu'on puisse être inspiré à faire ce qu'il y a à faire. Est-ce que ce qu'il y a à faire, c'est d'avoir un meeting, de dire à notre partenaire, il faut vraiment que tu aies fait la paix, faut que tu l'aides. N'importe quelle femme qui vient à mon service, qui est une femme de qualité, je vais lui dire, non, une femme de qualité n'entrera pas dans une relation tant que monsieur n'a pas fait la paix avec madame. Ouais. Attends. Crois-moi, si t'es la bonne femme, il va le faire. Faut qu'elle fasse la paix. C'est-tu de régler les pensions alimentaires? C'est-tu d'être disponible? C'est-tu d'y pardonner carrément? C'est-tu d'aller voir quelqu'un comme moi et dire, OK, comment je fais pour arrêter d'haïr mon ex? Mais une femme qui s'aime va dire, je peux pas rentrer, je peux pas investir, je peux pas aller mettre règle mes tes yeux choses. Là-dedans. Fait que j'ai besoin de savoir que t'es dans le processus. OK. Voilà. OK. C'est comme ça qu'on fait ça. Puis dans le fond, c'est très sain hein, de faire c'est ça. C'est respectueux. Pour les deux. C'est gracieux, ça. C'est riche. Ouais. Parce que ça me dit aussi quel homme sait quand lui va avoir un problème avec moi. Tout à fait. Et que c'est intéressant. On retourne autour de ça. Est-il capable de clore, de bien boucler la boucle, de réussir sa séparation avant d'entrer dans une autre relation? Une des qualités que je dis aux femmes, recherchez. Les dates, c'est du data collecting. Okay. On sort en date pour savoir qui j'ai devant moi. Ouais. Qu'est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il est capable de régler un problème facilement? Est-ce qu'il est capable de régler un problème à l'avantage de nous deux? Ou c'est lui qui gagne puis c'est moi qui perds? Ou c'est moi qui gagne puis lui qui perd? Okay. Es-tu capable de faire ça? Est-ce qu'il y a ces... Parce que ça, c'est une des rares choses que si c'est là au début, oh mon Dieu, mesdames, go! Okay. Go! Si c'est pas là du début,
C'est un pensez-y bien. C'est pensez-y bien. Il faut que cet homme-là développe des compétences pour régler des problèmes. Donc, il faut qu'il devienne son propre homme. Parce que la réalité, c'est qu'on a beaucoup d'hommes qui sont émasculés aujourd'hui. Ils ont été ou émasculés par leur mère, ou émasculés par émasculés? Leur... Émasculés? Émasculés. OK. Dans le dictionnaire, émasculé et castré, ils disent c'est la même chose. Pour moi, ça ne l'est pas. Castré, okay. C'est « tu vas voir, ma t'arranger ça okay. ». Émasculé, c'est « t'es donc bien niaiseux ». Tu n'es pas encore capable de faire sans doute chose eux. Alors, pour moi, ce n'est pas pareil. Okay. Émasculé et castré, c'est aussi de prendre les testicules d'un homme, de dire « non, mais les prendre à ma sacoche. » Puis là, moi, je vais te dire comment est-ce que notre vie va aller. Okay. Non, il faut que tu dises à un homme « OK, toi, comment tu vois ça? » L'homme a besoin de respect. Un homme qui se sent aimé, c'est un homme qui est respecté. Mm-hmm. Va voir les top of the line, là, les hommes qui sont vraiment heureux, qui ont réussi, qui ont toutes sortes de belles grosses vies, que ce soit d'avoir un garage ou de Monsieur Google, c'est la même chose. C'est un homme qui est aimé et respecté de sa partenaire. OK. Et vice-versa. C'est-à-dire que le respect pour la femme est important, mais elle a besoin de beaucoup d'attention et d'affection. OK. Il faut qu'elle se sente en sécurité. Dans le livre, je dis que les femmes ont besoin de romance et de sécurité. Il faut qu'elle se sente en sécurité émotionnelle. Est-ce que mon homme, il me protège? Est-ce que mon homme, si publiquement on rit de moi, qu'il va me protéger? Mm-hmm. Est-ce que mon homme va me protéger contre l'ex? Mm-hmm. Est-ce qu'il va prendre soin de moi dans une situation où moi, je ne suis pas bonne? Mm-hmm. Moi, je ne suis pas bonne des impôts. Il va-tu prendre soin de moi dans ça? Il va dire, OK, attends, si moi, je ne suis pas bon, je vais trouver quelqu'un. Ouais. C'est tout des spot checks, c'est des façons de savoir, does he have my back? Okay. Est-ce capable? Et quand une femme, elle est en sécurité, là, elle peut se donner et aimer avec abandon. Okay. Cet homme-là est un homme choyé. Ah, oh, c'est intéressant. Voilà. Parle-moi de jalousie. Est-ce que tu dois avoir des couples où un des deux est très jaloux, ouais. Puis que ça amène énormément de problèmes. Exact. Comment est-ce que la personne qui est victime de la jalousie de l'autre peut composer avec ça? Faut juste voir que la jalousie, c'est « il manque quelque chose, monsieur ». OK, parfait. Alors, tu te souviens que je travaille au niveau du subconscient. Fait qu'on va aller. C'est pour ça que je vois toujours les couples ensemble. Après ça, je les vois tout seuls. Je vois madame tout seul, mm-hmm. Je vois monsieur tout seul, parce que c'est comme ça que je sais la vérité. OK. Ah, OK, il est arrivé ça. Donc, il faut aller travailler au niveau du subconscient. Où est-ce que tu as appris que tu vas manquer de ça? Mm. OK? Parce que ce qu'on souvent appelle la jalousie, c'est que monsieur n'a pas été capable. On prend l'exemple, mais ça peut être l'autre côté. Il n'a pas été capable de demander voici ce que j'ai besoin. J'ai besoin que quand on est ensemble, en public, socialement, que tu m'embrasses, mm. Que tu montes devant les autres comment mm. Je fais une contribution dans ta vie. Parce que ce n'est pas de la jalousie, il fait juste manquer ce qu'il y a de besoin. Mm. Donne-y ce qu'il y a de besoin, ouais. Il ne sera plus jaloux. C'est ça. Si tu ne le donnes pas, ça se transpose en jalousie. Ça risque de se transposer. Donc, encore là, on revient à communiquer. Dire à l'autre, c'est quoi mes besoins? D'être vulnérable. Tellement important. Communiquer d'une façon vulnérable. Je me sens tellement vulnérable quand je te vois, par exemple, un homme qui a marié une belle femme, puis que tu es autour de d'autres hommes et qui te donne toute cette attention-là, parce que lui, il est sensible à ça. Mm. Lui, un homme qui se sent bien parce qu'il est adoré chez lui, puis qu'il est touché, puis qu'il fait l'amour, il n'aura aucun problème à avoir sa femme autour des hommes. Mais s'il ne l'a pas à la maison, puis qu'il le voit socialement, ça il va faire dérangeant. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Tout à fait. Donc, une femme de qualité, une femme sage, une déesse, comme la femme dont on décrit dans le livre, c'est une femme qui va reconnaître ça et qui va voir à son homme. Elle va donner le compliment à son homme, d'abord. Elle va donner le compliment aux autres. Elle va lui dire régulièrement, « La contribution que tu fais dans ma vie, elle est telle. » Et on va donner un secret maintenant, OK? Comment on fait pour avoir un homme dévoué? C'est qu'on lui dit ce que ça nous donne. Mm. Quand, chérie Louis-Jean, tu t'occupes de moi et tu t'occupes de monter la table et tout ça, ça me libère pour faire ce que j'ai besoin. Ouais. T'es tellement précieux dans ma vie. Il est motivé parce que t'es heureuse, parce que t'es libre. C'est ça. On motive un homme en lui disant, voici ce que tu contribues dans ma vie et comment c'est indispensable. Ah, ils vivent pour ça. Plein de trucs. Ils vivent pour ça. Chantal, tu as un chapitre entier sur réussir sa vie au lit. Uh-huh. Alors, tu parles... Madame, aidez-le à mieux vous aimer. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Exactement ce qu'on vient de dire, entre autres. Okay. C'est d'abord le respect, ouais. Ensuite d'y donner l'attention qu'il a de besoin. Mm-hmm. De reconnaître qu'un homme qui revient de travailler, il est vidé de ouais. Testostérone, de dopamine. Il n'y a plus rien. C'est vidé. Sur le marché du travail maintenant, c'est fou comment on squeeze, on serre ouais, le citron. De citron voilà. Ouais. Alors, reconnaître, il est parti travailler pour prendre soin de moi, pour prendre soin de la famille, pour prendre soin des enfants. Wow! Quel homme! Un homme qui se sent respecté à ce niveau-là, qui se sent apprécié à ce niveau-là, il va
refaire son énergie et il va vouloir tout donner à sa femme. Fait que c'est un des éléments. C'est que c'est vraiment, dans notre culture, il faut reconnaître que l'homme doit être l'homme de la maison. Mm-hmm. Lui, il a sa partie. Parce que malheureusement, si lui n'est pas l'homme de la maison, c'est la femme qui est l'homme de la maison. Mm-hmm. Puis on le voit beaucoup, ça. La femme est dans le féminin. Malheureusement, on est dans une culture de femmes très masculine qui brûle. Pourquoi tu dis malheureusement? Parce qu'on n'est pas faites en manufacture pour être des hommes. On est des femmes. On a 20 fois moins de testostérone. On n'est pas faites hormonalement pour être des hommes. Tu vas conquérir ton travail. Tu vas aller boum, 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 chercher des gens qui viennent travailler avec toi, chercher des assistantes de quelqu'un qui travaille. Bon, bon, OK. Mais quand tu es ici, là, tu es la blonde de ton chum. T'es pas là. Malheureusement, on les appelle les germaines. Oui, les germaines. Et puis là, tu laisses la germaine à la porte. Okay. Alors, pour la femme, ça prend entre 20 et 60 minutes dans son cerveau pour passer du mode homme, masculin, yang, au féminin. OK. Si cette femme-là sait comment s'occuper d'elle, parce que l'autre problème, c'est que les femmes me disent, bon, mais là, il y a ça, ça, ça. Ils arrivent avec leur liste. Mon mari, il y a ça, 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 il ne marche pas. OK. Je leur dis, OK, parfait. Que voulez-vous? Là, elle commence avec tout ce qu'elles ne veulent pas. Là, je veux plus que... Je vais écrire... Non, non, non. Vous voulez quoi? Et j'ai souvent un grand silence parce que c'est très rare qu'une femme a validé « J'ai besoin d'être écoutée à tous les jours. Ouais. » J'ai besoin qu'il me prenne dans ses bras puis qu'il dise pas un mot puis qu'il me prenne jusqu'à temps que je fasse « Ah! Oh, OK, c'est ça que vous avez besoin. Ouais. » Je suis le broker à ce moment-là. On va négocier ça. Donc, suivi la présentation de la demande de guérison. Donc, la femme va expliquer « Voici où tu as perdu mon amour. Mm. » Et lui va faire une guérison qui est enseignée en bureau et qui doit être préparée au millimètre près. Et on suit après avec un deal. Madame, elle a besoin qu'à tous les jours, vous prenez du temps pour vous occuper de juste elle. Pas les enfants, pas le chien, pas le travail. Juste elle. Pas le téléphone, juste elle. Ouais. De cette façon-là, quand on demande quelque chose à un homme, c'est « J'ai besoin qu'après que la vaisselle soit faite, que tu viens me retrouver. » Que tu me prennes dans tes bois. Il faut tout donner les étapes de quoi ça a l'air. Parce que si on dit à un homme, monsieur, donnez plus d'attention à votre femme, on dit, ben oui, garde. Ouais, je m'occupe de toi, là. Pendant que je coupe le gazon, je m'occupe de toi. Non. Non, pour une femme, ça compte pas. Une femme, c'est zéro. Ouais. C'est zéro, zéro, zéro. OK. Voilà. Alors, il faut être très clair, précise. Voici ce que j'ai besoin. Et après, voici les bienfaits. C'est ça qui va motiver l'homme de recommencer à y donner l'attention et de continuer. Jusqu'à temps qu'il soit, tu es dans la business inspirée, il va être inspiré à prendre soin d'elle. Il va dire, ah, quoi d'autre que je peux faire? Quoi d'autre que je peux... Oh, je peux la surprendre avec ça. Il y a des hommes qui m'appellent, ils me disent, OK, je suis prête. Si vous êtes prête à écrire une lettre d'amour. Ah, êtes-vous sérieux? Là, je les aide à mettre ça pour que ça soit des mots que la femme chérisse. Parce qu'une belle lettre d'amour, on garde ça toute notre vie. Ouais. On la relit régulièrement. Ouais. Et j'ai vu des couples qui ne s'étaient pas parlé depuis 6 mois. Et après une belle lettre d'amour, ils ont dit « OK, on va faire le travail ensemble. » Ah, wow! Fait que c'est quelque chose puissant. Que tu suggères? Hein? Absolument. Ah oui? Absolument. Okay. Parlez de votre cœur. Parlez de qu'est-ce qu'elle fait qui vous épanouit. Qu'est-ce qu'elle fait qui fait une telle différence dans votre vie. Okay. Qu'est-ce qu'elle fait qui fait que vous l'aimez tellement. Wow. C'est ça qu'elle veut entendre. Et là, évidemment, avec tout ce que tu nous suggères, là, on arrive le soir, puis c'est sûr qu'on a... Il y a des grosses chances qu'il va se passer quelque chose de le fun. Et c'est très large. T'as raison. Ça peut être des petites vitres, ça peut être des passions, ça peut être le chandelier aussi. Ça peut c'est être ça, là, tu parles, là, hein? Tu parles, là, le petit côté cochon de l'histoire, les petites vitres, la porno. Ce qui fait la job pour que les deux, toi, soient satisfaits, okay. Si elle déteste le porno, ben, il va falloir qu'on ait un deal là-dessus, il va falloir qu'on ait une discussion là-dessus, qu'elle dit « moi, je suis plus capable okay. ». Peut-être que toi, ça fait une job pour toi, chérie, mais moi, je suis plus capable. Il y a du porn pour femmes maintenant. Il y a du porno pour femmes ou est-ce que c'est beaucoup plus fun, puis c'est beaucoup plus… Bon, il y a une histoire, tout ça. Est-ce que ça peut faire la job? Sinon, il faut renégocier. Parce que au début, on dit « oui, ben oui, oui, j'aime ça. Ben oui, oui, ça va me faire plaisir. » Mais c'est pas vraiment vrai. Mm. Les filles, on compte démentries des fois. On dit « oui, oui, oui. » Parce qu'on est faite pour faire plaisir à l'homme. Il n'y a rien qui nous fait plus souffrir que de savoir qu'il n'est pas content avec nous. On a tel stress, on sent le stress dans notre corps tant qu'il n'est pas bien. On dit, on va faire toutes sortes d'affaires pour dégager ce stress-là. Entre autres, faire des actes sexuels qu'on ne veut peut-être pas faire, juste pour plus sentir cette tension-là. Et ça prend une femme qui s'aime beaucoup pour dire, je sens cette tension-là. Et il faut qu'on aboutisse à quelque chose. Il faut que je trouve ce que j'ai à dire. Il faut que je m'exprime pour plus que je chante ça. Et quand l'homme comprend, je vais dire heureusement ou malheureusement, c'est plus, vers la cinquantaine, c'est plus facile parce que le cerveau de l'homme change. Quand il comprend, oh, quand tu vis cette chose-là, ça fait un gros stress, OK, je veux éviter ça. Mm. Et c'est là qu'il va trouver des façons de faire autre chose. OK. Voilà. Tu as fait référence à
quand une femme s'aime. Oui. J'aimerais qu'on parle de ça. Est-ce que de s'aimer, d'avoir une bonne estime de soi-même, c'est aidant pour avoir une vie? C'est un prérequis. Okay. C'est un prérequis. Okay. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos filles. C'est un prérequis. C'est ça, un homme est attiré par une femme qui est heureuse. Un homme est attiré par une femme qui est authentique, une femme qui est passionnée et une femme qui est courageuse. Un homme ne marie pas le sexe d'une femme, un homme marie les vertus de la femme. Okay. La majorité des hommes, en dedans de 10 secondes à 10 minutes, ils savent que c'est la bonne. Ah oui? Ils ont un GPS, eux autres, ils savent. Ils savent que c'est comme, oh, je vais avoir du fun avec elle un an ou deux ans. Donc, une femme qui s'aime, elle va dire, on s'enligne. Moi, je m'enligne vers ça. Toi, où est-ce que tu en es? Mm-hmm. On va le savoir tout de suite. Okay. Le travail du dating, c'est du screening. Okay. C'est OK. Ah, OK, lui, il n'est pas prêt pour ça. OK, lui, il est prêt pour ça. Oh, lui, possiblement. OK, tu perds aucun temps avec un homme qui ne peut pas te donner ce que tu as besoin. Donc, une femme qui s'aime, mm-hmm. elle va savoir exactement, voici la vie que je veux, voici la qualité d'homme que je veux mm-hmm. et voici la qualité de relation que je désire. Donc là, pour nos célibataires qui nous écoutent, oui. c'est ce que tu dis. Donc, de savoir vraiment qu'est-ce que je veux, oui. de travailler mon estime de moi, parce que, tu sais, on dit c'est un prérequis, sauf qu'il y a plein de gens ouais. qui ont du travail à faire là-dessus. Hommes et femmes. Tout le monde. D'apprendre à s'aimer toi un peu plus. Toi et moi, on travaille d'une façon exactement. Régulière à ouais. raffiner et à améliorer. Donc, je parle de l'estime de soi dans, et le plus important, c'est l'endroit le plus vulnérable en nous, où on s'aime le moins, mm. où on sait qu'on est le moins hot, où on sait que, et que j'ai de la misère avec ça, et d'embrasser tout ce concept-là, et de dire comment je vais y donner ce qu'elle a besoin de cette partie-là pour pas que cette partie-là mène. Sinon, elle mène votre vie. Okay. Ouh, ça, c'est un problème. Okay. Là, il faut nous appeler à ce moment-là. OK. Voilà. Donc, est-ce que je comprends que plus on a fait un travail sur nous-mêmes comme personne, plus on augmente nos chances d'entrer dans une relation où ça risque d'aller bien, où est-ce que c'est sain? Tout à fait, avec la distinction que plus on a fait un travail avec nous-mêmes et qu'on a des résultats. Parce que beaucoup de gens vont dans des conférences, puis ils lisent des livres, puis là, ils font toutes sortes d'affaires. Et 10 ans après, leur vie relationnelle, on va prendre cet exemple-là, est pas si mieux que ça. OK. OK, ça, c'est un signe, là, changer, ou de coach, changer de... Il faut qu'il y ait autre chose qui soit mis en marche. Ouais. Il y a des temps d'incubation, je trouve, où les gens vont dire, OK, je vais rentrer avec moi-même puis je vais figurer cette affaire-là. Et je vais sortir seulement quand l'œuf va être pondu. Je vais sortir seulement quand je sais que, OK, cette partie-là est faite. Comment on le sait? C'est qu'on va avoir le même conflit avec le style de personne. Les personnes peuvent changer, mais c'est le même conflit. Et on ne sera plus en conflit. On va être capable de régler le conflit. Et c'est là qu'on gradue de soi-même. Donc, ce que tu dis, c'est que je sais que je suis mûre pour une autre relation quand ce qui était une occasion d'être des conflits dans une ancienne relation... Aujourd'hui, je suis capable de le régler. Je suis capable de le tenir. Là, je okay. le tiens. Puis là, je comprends, puis je sais quoi faire. Okay. Et je suis dans le respect de moi et de l'autre personne. Ah, wow! Boom! Wow! Ça, c'est un game changer. Okay. Ça change. Ça, c'est comme... OK, c'est ça. On est à une autre étape. Et pour ça, j'ai travaillé sur moi. C'est j'ai travaillé mes émotions, j'ai travaillé mon estime de moi-même, ouais. j'ai précisé ce que je voulais aussi. Oui, je pense que l'endroit où on veut diriger le plus les gens, c'est travailler le courage. Qu'est-ce qui vous fait peur? Allez faire ça, là. OK. Allez faire ça. Okay. Oh, je sais pas, je devrais laisser cette compagnie-là. Je sais pas, ça te fait super, OK. T'as faim de quoi? OK, t'as faim de ça. OK. Mais ça prend un pont parce que les gens font kamikaze. Ah, ils laissent la job puis il n'y a rien qui est planifié ici. Non, ça marche pas. C'est OK, je sais que mon temps ici, ma force de vie ici, elle est presque finie. Ouais. J'ai faim de ça, mais comment je vais vivre pendant ce temps-là? Hein? Ça ouais. serait une bonne chose qu'il y ait de l'argent qui rentre. Comment je vais faire ça? Ça c'est correct d'avoir un job ici en attendant de bâtir le rêve, parce que tu sais la structure que ça prend pour à réussir un business. Et ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça prendra ce que ça prendra. Mm. Mais quand comment tu le sais? Ah, c'est comme un orgasme, tu vas le savoir. T'es arrivé à cet endroit-là de bon, merveilleux. Je peux laisser complètement en arrière parce que ici ça roule seul. C'est ça. C'est là que exact. Tu sais. Ouais. Chantal Lamontagne, écoute, c'est tellement fascinant. Je veux te dire merci. Merci. Je tiens encore une fois à montrer ton livre, L'amour sexship, qu'on peut retrouver ici au Québec, oui. qu'on peut retrouver sur ton site web, qui va être dédicacé en plus si vous le commandez sur le site de Chantal Lamontagne. Vous avez les informations pour son site web, qu'on retrouve aussi du côté de l'Europe. Merci Chantal, parce que je pense que le sujet dont tu parles là-dedans, c'est un sujet qui va aider grandement les gens, que vous soyez célibataire, en couple, même si la relation de couple va bien. Je pense qu'on peut toujours... Il y a même des gens heureux qui m'ont écrit, qui m'ont dit « on était heureux ». Puis on est encore plus heureux. Ben c'est ça. Oh, le bonheur. Il n'y a pas un moment où tu dis, bon, OK, c'est beau, là, je suis assez heureux. Là. Ouais. On peut toujours l'être. Toujours. Chantal Lamontagne, merci du fond du cœur. Merci pour ce que tu fais.
Pour les gens de Mastef Télé, bien évidemment, je vous souhaite d'être heureux. Je trouve que la vie de couple, c'est une sphère importante de notre vie. Et c'est ça, si cette case-là est bien remplie, je pense qu'on est encore plus heureux. Alors, merci, merci, merci. Bienvenue. Merci à vous, merci de votre confiance. Si vous aimez ce que je fais, oubliez pas, j'ai besoin de vous pour partager la bonne nouvelle. Hein? Soyez des artisans de changement, vous aussi. Invitez vos amis, vos collègues à dire « Va voir ça, Mastef Télé. Va, tu vas être inspiré. » Alors, je vous embrasse et on se voit dans une prochaine entrevue. Salut!